que vous allez comprendre, à ce que vous me faites comprendre. Parce que la Guinée maintenant est devenue laboratoire de la foutaise. C'est quelle foutaise ça? C'est concernant vos artistes guinéens qui veulent organiser, je vous dis bien, qui veulent organiser soutien de Sidiki Diabaté. Nous, on n'a pas contre de Sidiki Diabaté. Nous tous, nous sommes des Africains. Ce que Sidiki Diabaté est aujourd'hui, on est le cœur avec lui. On est le cœur avec lui. Mais trop, c'est trop. Les artistes guinéens, il y a combien de jeunes qui ont perdu la vie à Nats? Nats! Combien de jeunes qui ont perdu la vie? Combien de peuples qui ont été assassinés, qui ont été violés? Nos mamans ont été violées en Guinée. Nos soeurs ont été violées en Guinée. Vous n'êtes pas soutenir les Guinéennes, tout simplement. Ça fait ma colonne, vous qualifiez de qui en arrêt. C'est parce que les gens n'arrivent pas à comprendre. Parce que l'organisation, là, comme ministère de la Culture, font partie dans cette organisation. C'est pourquoi les artistes guinéens, ils sont engagés. Parce que le ministère de la Culture font partie dans cette organisation. Je vous ai dit, la famille, les artistes guinéens, ce sont des pauvres. C'est des pauvres. Ou bien un petit, un enfant de 3 ans qui a reçu une balle dans la tête. Un enfant de 3 ans a reçu une balle dans la tête. Mais pourquoi vous n'avez pas soutenu la famille de cet enfant-là? Un enfant de 4 ans a reçu les balles, la balle au moins. Pourquoi vous n'avez pas soutenu? Pourquoi vous n'avez pas soutenu cette famille-là? Les enfants de 14 ans, de 17 ans, ont été violés en Guinée. Si vous voulez soutenir quelqu'un, soutenez Founike Mengue. Founike Mengue se bat pour la Guinée. Il est en prison pendant combien de mois? Pendant combien de mois, madafoka artiste guinéenne? Vous êtes des madafoka. Vous tous, vous êtes des madafoka. À part de Gani Alifa, à part de Takana Zion, mais de Baworo à Zaworo, il finit de Remorua, il finit de Dumedua, il finit de Forua, il finit de Guinéa, il finit de Ramea. Vous êtes tous des madafoka. We are fuck you. Fuck you all. The all artists from Guinea. We are motherfucker. We are motherfucker artists. We are motherfucker artists from Africa. We are motherfucker build shit. Vous êtes malade dans la tête. Vous voulez soutenir quelqu'un? Allez soutenir Founike Mengue en prison. Allez soutenir Madik Sans Frontières en prison. Allez soutenir Souleymane Kondé en prison. Allez soutenir Ismaël Kondé en prison. Allez soutenir le premier imam de Wanindara. Le premier imam de Wanindara a été arrêté arbitrairement. Premier imam de Wanindara a été arrêté arbitrairement. Vous n'avez pas soutenu. Cela, c'est Sidiki Diabaté que vous allez faire le concert en Guinée. Mais tout Guinéen qui participera à ce concert, cet Guinéen, il est bâtard de sa famille. Cet Guinéen, il est mal né. Cet Guinéen, je vous répète, il est mal né. Tout un Guinéen qui partira regarder ce concert-là, c'est un bâtard. C'est un bâtard. C'est un mal-né. Essayez de partager la vidéo massivement, la famille. S'il vous plaît. Tous ceux qui iront cet concert-là. Merci, mon frère. Aboubakar Grenade aussi. Merci bien. J'ai même oublié. Mbarane Mounatanyang Afira. Aboubakar Grenade. Grenade, il est emprisonné. 10 ans de prison. 10 ans de prison, vous pouvez imaginer cela, parce que tout simplement il est peul. On l'a emprisonné 10 ans parce qu'il est peul.
au lieu de vous lever, de combattre l'ethnocentrisme en Guinée, vous faites le contraire. Vous faites le contraire. L'ethnocentrisme se passe aujourd'hui chez moi, en Guinée. Vous voulez soutenir quelqu'un. Pourquoi vous ne voulez pas soutenir Ella Sen-Loi? Pourquoi vous ne pouvez pas soutenir Ella Sen-Loi qui est victime aujourd'hui de perdu ses magasins aujourd'hui. Pourquoi vous ne pouvez pas lui soutenir? Yeah. Pourquoi vous pouvez pas soutenir Ella Sen-Loi? Pourquoi vous voulez pas soutenir tant d'autres? Nos mamans ont été violées en Guinée. Nos sœurs ont été violées en Axe. Nos tantes ont été violées en Axe. Mais c'est au contraire que vous faites. C'est quel Guinée? C'est pour que les artistes guinéens sont des pauvres, la famille, je vous ai dit ça, ils n'ont rien. Un artiste qui est logé, une star qui est logée, parce que lui, c'est une star même. Où vous avez vu une star qui est logée? Une star qui est logée, est-ce que c'est une star? Une star qui ne peut même pas acheter une voiture de 10 000 euros, est-ce que c'est une star? Est-ce que c'est un artiste même? Fishkila, instinct killer qui invite les gens d'aller regarder le concert. Fuck you bro, you are fucking shit bitch bro, you are motherfucker. Tu veux soutenir quelqu'un, va soutenir ton frère. Tes frères sont en prison. Allez-y faire un concert gratuit pour eux. Allez-y faire un concert gratuit pour eux, pour les soutenir. Vous voulez soutenir? Vous voulez soutenir quelqu'un? Allez-y à Cancan. Ce qui se passe à Cancan, nous tous, on a vu, on est témoins. Les peuls ont victime aujourd'hui à Cancan. Mandeng est en train de mettre le feu dans les maisons des peuls à Cancan. Mandeng est en train de tuer les bœufs des peuls à Cancan. Combien de bœufs ils ont tué? Combien de bœufs? Mandeng on fait perdre la communauté peul. Si vous voulez soutenir quelqu'un, allez-y soutenir. Allez-y soutenir vos frères peul en Haute-Guinée. Nous tous, nous avons vu ce qui se passe aujourd'hui en Haute-Guinée. C'est maintenant que vous venez vous flanquer devant nous de dire que non, concert. Parce que vous êtes malades, vous êtes des bâtards. Les artistes guinéens, vous tous, à part de Takana, à part de Gani Alpha, les autres sont des ferfelus au moins. Vous êtes des vrais bâtards, des vrais maudits. Vous voulez soutenir quelqu'un? Vous connaissez quoi? Vous connaissez quoi dans le showbiz? Est-ce que vous pouvez soutenir Sidiki Diabaté plus que son manager? Est-ce que vous pouvez soutenir Sidiki Diabaté plus que son producteur? Si vous voulez soutenir Sidiki Diabaté, payez vos tickets d'avion, partez au Mali, vous allez rendre une visite à Sidiki Diabaté, à sa cellule. À sa cellule! C'est ça la vérité, la famille. Payez vos tickets. Si vous êtes riche, payez vos tickets. Allez-y rendre une visite à Sidiki Diabaté. Mais vous connaissez quoi dans le showbiz que le manager ou bien le producteur de Sidiki Diabaté ne connaît pas? Dites-nous. Fishkila, là où tu es logé. Là où tu es logé, mon frère. C'est quel genre de star ça? C'est quel genre de star ça? Un star qui est logé. Vous tous les artistes guinéens, vous tous. Vous êtes tous des locataires. Si vous êtes bien là, si vous êtes des stars,
Depuis à ma naissance, je n'ai jamais vu une star qui est logée. Une star qui ne peut pas acheter une voiture de 10 000 euros. Je n'ai jamais vu. Même nous les débrouilleurs, nous qui se débrouillons dans le quartier, les petits tchaf-tchaf là, nous-mêmes, si on décide aujourd'hui d'acheter une voiture de 10 000 euros, 7 000 euros, mon nom a saradé. Mon nom a saradé. Un artiste qui ne peut pas acheter une voiture de 10 000 euros, est-ce que star n'est pas là dans un moment difficile? Mais comme c'est des frustrés, c'est à cause de ça. Parce que les artistes guinéens, ils veulent nous déconcentrer. La famille, je vous ai dit, il ne faut pas vous déconcentrer. Il ne faut pas vous déconcentrer. Ils veulent nous déconcentrer dans notre combat. Ils veulent nous déconcentrer dans notre combat. C'est ça leur politique. C'est ça leur soutien. C'est ça leur démagogie. Il veut coûte à coûte nous déconcentrer dans le combat. Parce que est-ce que les artistes guinéens, vous aimez Cédric Diabaté plus que les Maliens? Les artistes guinéens, vous aimez Cédric Diabaté plus que son manager? Les artistes guinéens, vous aimez Cédric Diabaté plus que son producteur? Les artistes guinéens, vous aimez Cédric Diabaté plus que la Chine populaire de la Côte d'Ivoire partout dans le monde entier? Vous aimez Cédric Diabaté plus que la Chine populaire? La Chine qui parle Chin Chon Chin, Chan Wan Chan Wan Chan, Chan Wan Chan 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 Chan. Motherfucker. Vous aimez Cédric Diabaté plus que eux? Plus que eux? Mais la Côte d'Ivoire traverse dans un moment difficile. Ils ne peuvent pas organiser un concert pour soutenir Cédric Diabaté maintenant. Moi, je n'ai pas contre Cédric Diabaté. Moi, personnellement, je condamne le gouvernement malien d'avoir détenu Cédric Diabaté pendant tout ce temps-là. Parce qu'au moment que on arrêtait Cédric Diabaté, le Mali n'avait même pas le ministre de la Justice. Le Mali n'avait même pas le ministre de la Justice. Mais comment vous pouvez détenir un grand homme comme ça? Comment vous pouvez détenir une grande star comme ça? La star qui n'est pas comme la star guinéenne. Cédric Diabaté a rapporté combien de trophées pour vous les Maliens? Pour la fierté malienne. Pour la fierté malienne. Il a rapporté combien de trophées? Les bâtards artistes guinéens, les farfelus, fanfarons, maudits artistes guinéens. Quel artiste qui a rapporté un trophée chez nous? À part de Takana. Quel? Quand tu parles, ils vont te parler de Sul Banks. Sul Banks, le trophée qu'il a remporté là, le prix de RFI. Ça, c'est un petit trophée. C'est le trophée dont que les artistes locaux, les artistes qui n'ont pas sorti mondialement, qui n'ont pas sorti internationalement, c'est le trophée des artistes-là que Sul Banks a remporté. Mais à part de ça, quel artiste qui a remporté le trophée pour la Guinée? Il n'y en a pas. Donc les banlieusards, les Instanki, les Azaya, Gele Kababintu, Ibroyame, Ndemo, Arande Siramba, Ndenyamere Kolon. Moi je ne connais même pas leur nom. Peuple de Guinée, si vous voulez organiser le concert, donnons-nous la main, on va organiser le concert pour Gani Alifa et pour Takana Zion. C'est fini. Parce que c'est les deux artistes qui nous ont montré que vraiment ils sont à côté de nous. Les artistes guinéens, si vous voulez soutenir quelqu'un, pourquoi vous ne pouvez pas soutenir Takana? Parce que Takana, il est victime de menaces.
Ghané Alpha, il est victime de menaces aujourd'hui. Jusqu'à le ministre de la Justice a dit qu'il va retirer sa nationalité. Vous trouvez ça normal? Les artistes guinéens qui parlent de soutenir Sidiki Diabaté, de faire le concert pour Sidiki Diabaté. En Guinée, si vous voulez soutenir Sidiki Diabaté n'est pas guinéen. Donc quand vous faites le concert en Guinée, ce n'est pas d'importance. Si réellement vous voulez organiser un concert, soutenir Sidiki Diabaté, c'est d'aller au Mali. C'est d'aller au Mali. Bref, moi, la fille, je ne veux pas m'attaquer à la fille. Si c'est la copine de Sidiki Diabaté, Biju Seramba ou bien je ne sais pas quoi. Comme c'est une maman à moi, c'est une soeur à moi, c'est une tante à moi, donc je ne veux pas l'insulter. Mais c'est juste, elle a insulté tous les Guinéens d'avoir dénigré vos monnaies, francs guinéens. Mais Biju Seramba, elle va beaucoup m'excuser. Je vais juste répondre quelques ses propos un peu. Qu'est-ce que je veux dire à Biju Seramba? Biju Seramba, elle a insulté tous les Guinéens. Biju Seramba ou bien Seraba. Biju Seraba, elle a insulté le feu Ahmed Sékou Touré. Elle a insulté le feu général Lansana Conti. Parce que le feu Ahmed Sékou Touré, c'est lui qui a créé la monnaie qui s'appelle Sili. Le feu général Lansana Conti, c'est lui qui a créé le franc guinéen. Donc, si Biju Seraba est venu en Guinée dénigrer notre monnaie qui est franc guinéen, ça veut dire qu'elle a insulté notre papa qui est le feu général Lansana Conti. Parce que c'est le feu général Lansana Conti qui a bâti cette monnaie-là. Mais bref, ma soeur, nous on dit Alhamdoulilah, notre monnaie-là, c'est pas de valeur, elle n'a pas de valeur. Nous on dit Alhamdoulilah, nous on est fiers de cette monnaie-là. Parce que nous, les Guinéens, on imprime notre monnaie chez nous. On imprime notre monnaie chez nous. Mais France CFA, où on imprime France CFA, c'est en France. C'est en France. Que France CFA, c'est la France qui imprime France CFA pour vous. Après avoir imprimé France CFA pour vous, ils prennent leur pourcentage à chaque une année. La France reçoit 480 milliards d'euros. 480 milliards d'euros, tout simplement, et tout France CFA imprimé mes rognes. Et toi, France CFA imprimé mes rognes, quand ça, il rattaque, France CFA, c'est 480 milliards d'euros. Donc, nous, notre franc guinéen, là, alhamdoulilah, nous, on imprime ça chez nous, on utilise ça chez nous, on fait tout ce qu'on veut. Donc, alhamdoulilah. Alhamdoulilah, nous on n'a pas le problème avec Sidiki Diabaté, on n'a pas le problème avec les Maliens, mais on a le problème avec les artistes guinéens, les maudits qui veulent se faire star. Je ne sais pas comment on finit star, Ramindé. On finit star, Loromundoum, les artistes guinéens. On finit star, Loromundoum. Donc, les gars, restez concentrés. Dans notre combat, il veut nous déconcentrer, s'il vous plaît. Il veut nous déconcentrer. Restez concentrés. Laissez le débat de Sidiki Diabaté en Guinée. C'est un faux débat, je vous dis. C'est un faux débat. Il veut nous déconcentrer sur notre lutte. Et le combat là, Inch'Allah, Bismillah, c'est jusqu'à la fin. C'est jusqu'à la fin. Donc, laissez les artistes guinéens, peuple de Guinée,
tout Guinéen qui respecte les citoyens guinéens, tout Guinéen qui respecte le drapeau rouge, jaune, vert, tout Guinéen qui respecte ses parents, qui respecte la terre de la Guinée, s'il vous plaît, n'allez pas regarder ce concert-là. S'il vous plaît, mes tontons, mes tantes, mes mamans, mes soeurs, mes frères, s'il vous plaît, n'allez pas regarder ce concert. Je sais quand même que quelques personnes, quelques frustrés, ils vont aller regarder, mais il n'y a pas de problème. Sache que toute personne qui partira regarder ce concert-là, cette personne n'a pas de cœur. Cette personne n'a pas de cœur. Sinon, on a tué un enfant de 3 ans devant la marche. Les artistes guinéens, ils n'ont pas à soutenir la famille de cette pauvre enfant-là. Jusqu'à présent, les artistes guinéens, les footballeurs guinéens, ils n'ont pas souhaité leur condoléance à les familles endeuillées. Jusqu'à présent, les artistes, les footballeurs, ils n'ont pas présenté leur condoléance à la famille endeuillée. Mais on va où? Où on va, la famille? Réveillez-vous. Réveillez-vous. Réveillez-vous maintenant, les gars. Donc, la famille, totalement 100% boycott des hypocrites artistes guinéens. 100% boycott. 100% boycott. Si vous êtes digne d'être guinéen, vous êtes fier de l'être guinéen, 100% totalement boycott pour les artistes guinéens. Personne ne rien à se concert. Il n'a rien à se dire à concert. Il n'a rien à se dire à concert. Il n'a rien. Et tant d'engir n'a ou na, artiste guinéen d'engir n'a ou na, et mou d'engir ou na, et mou d'engir ou na, dede. Parce que déjà, trophée meyi, trophée mou ou ni, bangri meyi, bangri mou ou ni. Donc, wombir en lang, et mou mou yora compte bancaire ton goma na, ramina ra 4 bancaire, 100 millions de francs guinéens na ra nga compte ma, amouna na. Amuna na atis yomuna nta na fala gobe wosiga wosa vérifier a atis yomuna na et tout te mona ke nu linte nu enu fago fago aba parce que na bere ragina du me convaincre na bere ragene ngure convaincre na re makolo ça se meyi mako yomuna ma ka 4 minde a ko sa compte bancaire 4 minde a ka fala a ko se paf 100 millions na ma compte ma amerumuna. La seule personne n'a rien à rabat de la fata canadi parce qu'on n'a pas preuve à bas d'une yabé preuve tôt. Voilà donc la famille, soutenons maximum Gianni Alpha. Il faut jamais qu'on abandonne Gianni Alpha. Il a sacrifié sa vie pour nous, il a sacrifié son avenir pour nous, le peuple. Donc c'est maintenant le peuple guinéen à lui récompenser, idem que Takana Zion. Il faut qu'on soutienne Takana 100%. Il a risqué sa vie pour nous, risqué son avenir pour nous. Donc au maximum, respect Takana Zion, respect Gianni Alpha. Donc on a artiste les Guinéens, on a artiste Frenna Nawoni. Awo fata me soutenir de. O siga fe na randa ngife kankan wosa na soutenir. Wosa fala kankan kebe sigi kebe stop. Oba mumbarbore farafe, oba mumbarbore rabie détourne fe, oba mumbarbore runa kanafe, oba mumbarbore yaouya fe. Wo siga wo na concert raba. Mais comme ministre de la culture en a fait qui wota besoin juste aura 2 millions 3 millions nama. Wo siga wo sabe concert. Vous savez, concert ministre de la culture, 2 millions, 3 millions, et ce, oui, c'est fini. Mais le sentiment du peuple aura problème, Mounaki. A peuple, ouam, a rafara, a peuple, ouam, a rafara, a peuple, ouam, a ratoro, a peuple, ouam, a rasa geli. Mais il y a un ato geli.
Mariyerina to le Guinée Geli, arbitrairement. Mariyerina na Geli. Atise womalang, wosa ne souteni. Womalang, wosa gouvernement mayandi rani benyi. Tan. A sidiki, wota muna ma sidiki jabate fande dengifé maliera. Sidiki jabate fande malie ma dengifé wotana. Womu seze kolonsho bisku sidiki jabate ra manaje ubi a rapodite muna rankulung. Déjà, vous avez fait un colon show biscuit, vous avez fait un biziati, vous avez fait un donima, vous concert organisé. Vous avez fait un donima, vous concert organisé. Vous avez fait un concert organisé de Wokana. Tellement que vous êtes pauvres, c'est moi. Faut que vous avez fait un donima, vous avez fait un sponsor. C'est pourquoi les Guinéens m'ont compris, mais moi, les Guinéens sont des artistes guinéens, à quoi ils sont venus. C'est ce que je veux dire. Quand tu as un stade de affaires, ou bien un palais de affaires, esplanade de affaires, tu as donné un petit peu. Et si tu as donné un petit peu, tu as financé un peu. Et si tu as un sponsor, tu as fait un sponsor. Maintenant, tu as un sponsor, tu as fait un sponsor. Après le concert, le sponsor est raccourbé un représentant de Tongo Manay. Sambe un sponsor est raccourbé et financé et signature dans la Bama. Il a 20 millions de filles. Après le concert, et 30 ou bien 35 millions de Tongo. Bon, il y a 10 millions de filles. Après le concert, il y a 15 ou bien 20 millions de Tongo. Donc, il y a un sponsor qui est raccourbé et badi. Il y a un sponsor qui est raccourbé et il va comprendre. Il y a un sponsor qui est raccourbé et 20 millions sont à barre et barre à bébé sur toi. 20 millions, un artiste peut manger 20 millions pendant une année. Jamais. 20 millions, ça fait 2 000 euros. Quand il y a un maro, il faut taffer 2 millions, 2 000 euros sur lui. Donc, ouais, il ne faut pas que Raoul n'y aille sur quoi.